Mon cher neveu, je ne serai plus de ce monde quand tu recevras cette lettre. Mais tous les papiers seront en ordre quand tu arriveras en France. Je ne suis pas notaire pour rien. Il faut cependant que je te mette en garde. Ton séjour ne sera peut-être pas aussi simple que tu l'espères, parce que d'autres que moi, des forces supérieures, dirais-je, vont sans doute s'opposer à ta légitimité. Quoi qu'il advienne, n'oublie jamais que tu es l'héritier de Maître Dalbeau, et qu'à ce titre, toutes, je dis bien toutes, les portes te seront ouvertes. Quand tu arriveras à Rennes-le-Château, va directement chez les Martins, à l'entrée du village. Tu demanderas Gertrude. Il y a plus de 30 ans que nous nous connaissons. Elle est un peu bizarre, surtout depuis un événement qu'elle te racontera. Vous avez vu ce qui est arrivé? Ben oui. Il est arrivé, là, en face de moi, puis il s'est mis à zigzaguer. Ben, je sais pas pourquoi, hein. Encore un de ces accidents bizarres qui arrivent aux étrangers de Rennes-le-Château, qui tentent de chercher le trésor. Bouge pas, je vais chercher du secours. Bon, il faut que je m'en aille, maintenant. Cette chasse au trésor est trop au-dessus de nos forces. Oh, Marcel. Prenez bien soin de Marcel, Gertrude. Je repasserai le voir. Au revoir. Au revoir. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui vient encore nous embêter? J'arrive! Oui? Bonjour, je vais voir Gertrude Martin. C'est pas ici, je regrette. Les Martins, c'est à l'autre bout du village. Non, je disais ça parce que je vous connais pas. Il faut toujours se méfier. Ne restez pas au froid. Entrez. Merci, madame. C'est pas de refus. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous? Eh bien, j'arrive de Montréal, au Canada. Enfin, je veux dire, là, je viens de Perpignan. Ah bon? Mettez-vous près du feu. Merci, madame. C'est tous ces voyages qui vous donnent cette pâleur? Non. Vous avez l'air nerveux. J'ai vu un accident en m'en venant. Il y avait un homme, pas mort, mais... Faites pas attention. Il est comme ça depuis 30 ans. Il ne voit rien, il ne dit rien, il n'entend rien. Il y a eu un accident? Oui, c'est ça. Un accident. Il a eu très peur. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans ce pays perdu? Je suis venu pour l'héritage de mon oncle. Une vieille maison ici à Rennes-le-Château. Ah. Vous devez être content. Et comment il s'appelait, cet oncle si généreux? Il était notaire, c'était du côté de ma mère. Oncle Dalbeau. Oh non, pas lui. Pardon. Rien. Cette maison, jeune homme, elle est inhabitée depuis 11 ans. Le dernier locataire en a disparu mystérieusement, il l'avait loué par agence. Ainsi donc, vous êtes le neveu de Dalbeau. La servante du curé aussi s'appelait Dalbeau. Ça semble vous étonner. Regardez mon mari. La peur l'a rendu comme ça.
T'as peur de quoi? Vous ne connaissez pas l'histoire de l'or maudit et la pique? De ce curé du siècle dernier et de la loge de Sion qui l'ont mené par le bout du nez? Non. Non, mais ça m'intéresse. Tout a commencé ici. En 1885, à Rennes-le-Château. Que soudainement il a eu une crise, genre épilepsie. Comme les autres. Les clés de votre héritage. Je suis bien contente de ne plus en être la gardienne pour ce que ça me rapportait. Enfin, si j'étais vous, je me débarrasserais le plus vite possible de cette ruine. Tous ceux qui ont voulu y mettre le nez ont eu des ennuis très graves, comme Marcel. Finalement, ça s'est terminé comme cette histoire diabolique. Le curé est mort en 1917. Il était le seul à savoir où était caché ce trésor maudit. Seul, avec sa servante, Marie d'Albourg, on dit qu'elle aussi, elle a emporté le secret dans sa tombe. Mais allez savoir. Depuis ce temps, je ne sais combien de personnes sont venues chercher la deuxième partie de ce trésor. Et ça continue. Marcel était de ceux-là. Il n'a rien trouvé, sauf ce médaillon que je porte au cou. Et depuis son expédition avec votre oncle le notaire, il reste prostré dans son fauteuil. Comme s'il avait vu le diable. Allô, Paul? Salut! C'est Claude! T'étais en train de faire un petit roupillon? Oui, à Rennes-le-Château. Je suis propriétaire. Et c'est pas tout, hein? Il paraît qu'il y a de l'or ici. Un trésor! Une histoire de fou, je t'ai dit. Écoute, Paul, je suis pas loin de chez toi. Est-ce que tu peux venir me rejoindre? Bon, fais vite, hein? OK. Puis j'ai quelque chose à te montrer. Parfait! OK, à tout de suite. Salut! Un jour, tu guériras, tu parleras, tu marcheras. Et ce trésor, nous retournerons le chercher. Là où il est caché. Salut les branches. Hey, dis donc, tu pourras répondre. Tu fais la gueule ou quoi? Enfin, ben bonjour quand même. Et alors, t'as eu ta langue? Viens voir. Ça? Oh, c'est toi qui l'as planté. Ah d'accord. Ah, tu vas me dire que... il y a des gros méchants qui en veulent à ta vie,
et que c'est l'histoire que tu voulais me raconter au téléphone. Dac. Ouais, bon, hein. Bon, si on visitait plutôt ta super baraque. Et au fait, dis-moi, c'était quoi ce que tu voulais me montrer? Une lettre de mon oncle. Tout est à peu près clair, sauf un passage. Regarde. Prends garde quand le reflet se brisera et quand Rembrandt t'apparaîtra, celui qui sait fera valoir tes droits. Point n'est sourd qui ne voit pas. Ouais, bon, ok, d'accord, il y a un message après. Ben oui, c'est ce que je pense moi aussi. Disons que j'y attachais pas trop d'importance vu que mon oncle commençait à radoter. Ouais, ouais. Mais quand je te raconterai tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je te jure que... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'as peur? Oh non, j'ai pas peur. Viens voir. Il y avait une gravure derrière le miroir. Il y a une légende. Anne, accusée par Toby du vol du chevreau. Fais voir. La vieillarde dans son fauteuil. Ça me rappelle quelque chose. Eh bien, bravo, mon cher Watson. Hein? Expliquez-vous, mon cher Holmes. Ben, mon oncle a écrit dans sa lettre, « Prends garde quand le reflet se brisera et quand Rembrandt apparaîtra. » Hein? Le miroir s'est brisé en morceaux, et comme c'est marqué là en bas, c'est de Rembrandt. Ouais. Poursuivez, Holmes. Eh bien, c'est tout. Et ça nous avance à quoi? À pas grand-chose. Seulement qu'on n'est pas si bête et qu'on va peut-être trouver le secret du message. Je te propose une visite pièce par pièce. On fouille tout. Meubles, livres, objets. On sonde les murs centimètre par centimètre. On casse tout s'il faut. Si on trouve la fortune, t'auras ta part. C'est qu'il parle. Oh, grand Lucifer. Toi qui as fait de moi ta servante, je te promets d'écarter ceux qui en veulent à ton trésor. Non, ton trésor. Le jeune a quelqu'un d'autre avec lui, il a allumé la trace de son oncle. Il veut certainement plus que cette maison. Il cherche quelque chose. Arrange-toi pour qu'il s'en aille de là. Mais avant, essaie de découvrir s'il sait quelque chose que je ne sais pas. C'est pas grave, on continue. Wow. Hé, regarde, viens voir ça. Les cornes du diable dans la maison de mon oncle. C'est étrange, non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas superstitieux, mais moi, ces affaires-là, j'aime pas ça. Arrête de dégonfler. Et regarde, qu'est-ce que c'est? On dirait des talismans. Ah, mais on peut pas lire. Vas-y, approche. Approche la flamme. Éclaire avec ton briquet. Recommence. Attends, attends. Vas-y, j'éloigne, t'allumes. C'est pas possible, ils sont magiques. Donne. Je vais les mettre dans ma poche. Vite, viens voir. Qu'est-ce que c'est que ça?
1, 2. Paul. Paul. Celui qui sait fera valoir tes droits. Et point les sourds qui ne voient pas. Et oui, c'est Marcel, c'est lui qui connaît le secret. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi, j'ai rêvé. Non, t'as pas rêvé. Mais t'en fais pas, viens. Viens, on s'en va chez la vieille. Viens! Si t'étais resté exposé quelques secondes de plus, tu serais retrouvé comme Marcel. Aveugle, sourd, traumatisé. À la différence près, c'est que Marcel est effectivement tombé aveugle. Mais je suis à peu près sûr qu'il est pas sourd. Il y a quelque chose qu'il veut cacher. Non, écoute, Claude, on laisse tout tomber, on prend les motos et on rentre chez nous. Point, terminé. Tu vas pas me dire que t'as peur? On fonce. Madame Gertrude? Je savais que vous alliez venir. Vous vous entendez? Et que vous êtes aveugle? Pourtant, vous regardez toujours par la fenêtre. Il y a le jour, là-bas. Vous n'êtes pas seul? Non, c'est mon ami Paul. Il est au courant de toute l'histoire. Bon, alors, ne perdons pas de temps. Avant de mourir, votre oncle m'a confié un secret qu'il m'a fait promettre de ne le livrer à personne. D'attendre l'héritier qu'il m'enverrait. Il m'a dit où sont cachés les plans du souterrain qui mènent au trésor. Sous le diable, dans le tombeau, sous le buste d'Asmodée. Il tenait ce secret d'une vieille qui pratiquait l'occultisme à l'aide d'une porte de pouvoir qu'elle avait placée dans la cave pour les besoins de... pour ce rituel. Quelques semaines après, elle est morte, comme ça, d'un seul coup. Le diable ne fait peur qu'à ceux qui ont peur. Hein. Faut savoir oser. Les rêves sont grands. Soyez prudents. Partez vite. Gertrude ne va pas tarder. Au diable, diable, et vive le trésor! Hé! Hey, qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Hey, Paul. Les câbles de frein, là, ça devient sérieux, hein. Faudrait mieux qu'on appelle la police. Bon, mais d'abord, faut aller chercher les plans. T'as raison. On rentre la moto, à mon avis, c'est plus sûr. Ouais, ok. Et Claude, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le bruit, là. Tu trouves pas? On peut pas aller plus loin. Faut prévenir les pompiers. Non, l'étalissement. Vite, vite, sans l'étalissement. Tu les avais mis dans ton sac. Merde, je l'ai oublié dehors. On sort par les fenêtres. Bon, allez, faut filer d'ici, vite. Ah oui, et comment, hein? Tout pour le tout avec la moto. Et c'est une épidémie, regarde, il y a aussi le clocher Marcel. Les talismans. Le
diable peut-ce le garder, son trésor maudit. Venez voir ce qui est devenu mon héritage. Regarde la porte, elle est intacte. La porte de pouvoir.